kangwa Kongo. Luzaya diogo mufinda imosi kamulendi tongana na nkosi zoleko. Idina mfumu kukongo, mfumu kimbangu. Yeah.
Musical, afin que nous puissions commencer notre émission, en tout cas, Bama Batata Bandeko. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 26 du mois d'août 2021. Il est quelle heure? Il est 17h10 sur notre plateau de Congo Bololo. En tout cas, mes chers frères, chers compatriotes, ce soir, nous sommes venus tout simplement pour dire quelque chose. Quelque chose de très important parce que l'air est très grave. L'air est très grave parce que le monde est en ébullition. Alors nous devons attirer l'attention de chaque compatriote. Mes chers frères, les gens qui ont mis en place n'ont pas les mondiales. La mondialisation, je vais dire, ils sont en train de passer à la vitesse supérieure. Cette vitesse supérieure, c'est pour l'élimination de ce peuple de la planète. Parce que ce groupe d'individus, de politiciens, ils ont décidé de mettre à genoux l'économie mondiale, afin qu'ils puissent mettre en place un gouvernement mondial. Et nous devons comprendre qu'est-ce que c'est un gouvernement mondial, s'il vous plaît. Le gouvernement mondial est là pour arracher nos terres, arracher notre liberté, arracher notre souveraineté. Mes chers frères, lorsqu'un groupe d'individus très méchants, orgueillés, assoiffés de l'argent, sont déterminés à détruire la planète Terre. Alors nous devons faire la résistance. Alors c'est pour cette raison, ce soir, moi je vais d'abord alerter par le monde tout entier, mais la République fédérale du Congo, que vous appelez abusivement la République démocratique du Congo, parce que cette république n'est pas encore démocratisée. Vous savez très bien. Il n'y a qu'une démocratie de façade. Vous le savez très bien, mes chers frères. Comme ce petit groupe de politiciens mondiaux, ils sont déterminés à détruire la planète Terre. Chacun doit nécessairement défendre sa portion de la Terre. Et pour défendre cette portion de la terre, chacun doit chercher un parti politique digne de son nom pour pouvoir émerger et lutter et combattre, n'est-ce pas, ce criminel, ce terroriste, mes chers frères et chers compatriotes.
Et en République fédérale du Congo, nous avons qu'un seul parti politique qui défend la terre, qui parle de la terre. Parce que pourquoi la terre? Parce que la terre est très importante, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes. Sans la terre, on ne peut pas construire des maisons. Sans la terre, on ne peut pas développer un pays. Sans la terre, on ne peut pas enterrer nos frères et sœurs. Sans la terre, on ne peut pas vraiment construire les hôpitaux. On ne peut pas construire des routes. On ne peut pas construire, non, pas des trains, les avions, etc. Donc, la terre a une importance capitale, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes. Un parti politique qui ne parle pas de la terre, c'est un parti politique inféodé. Et en République fédérale du Congo, nous avons qu'un seul parti politique qui parle de la terre. C'est Bundu Diamayala. Donc, Bundu Diamayala parle de la terre. Comme Bundu Diamayala parle de la terre et que nous les hommes, nous avons besoin de la terre, alors nous devons que tout simplement suivre non pas Bundu Diamayala qui parle de la terre, parce que Bundu Diamayala est en train de défendre la terre. Alors, chers frères et sœurs, chers compatriotes, ne perdons pas la face. L'air est très grave. Parce que les mondialistes sont déterminés à détruire les nations. Alors nous devons faire la résistance. Et comme Bundu Diamayala parle de la terre, donc Bundu Diamayala fait la résistance. Comme Bundu Diamayala fait de la résistance, nous devons nous tous adhérer dans Bundu Diamayala pour faire en tous la résistance. Et Bundu Diamayala est dirigé par le grand maître de Mandassé, mais vous le savez très bien. Le seul qui mène un combat contre tous, vous le savez très bien. Combien de fois qu'il a été arrêté? Combien de fois qu'il a été mis en prison? Combien de fois qu'il a échappé à la mort? Tout simplement parce qu'il dit la vérité. Et pourtant, ces gens-là qui sont les ennemis de la vérité, ils se prétendent d'être des chrétiens. Mais nous appelons, ce sont des christianisés, parce que ce ne sont pas des chrétiens. Les chrétiens, ce sont les propriétaires de cette religion. Et dans le christianisme, les chefs du christianisme, le prophète du christianisme, c'est Jésus-Christ. Ils disent ça, c'est Jésus-Christ. Et lui disait quoi? Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous enfranchira. Mais ces gens-là qui se prétendent d'être des chrétiens, des christianisés, pourquoi ne suivent pas la parole de leur chef? Que vous connaîtrez la vérité vous enfranchira. Pourquoi ils sont les ennemis de la vérité? Au contraire, ils devraient nécessairement embrasser le grand maître de Mandassé parce qu'il dit la vérité. Lui parle tout haut, là où tous les citoyens congolais parlent tout bas. Parce qu'ils n'ont pas de courage, ils n'osent pas de dénoncer certaines choses. Mais lui, au moins, a le courage de le dire tout haut. Lui, au moins, il parle pendant que certains leaders politiques de certaines organisations politiques au Congo corrompus. Donc, ils ne disent rien devant la misère du peuple, mes chers frères. Ne perdons pas la face. L'air est très grave. Il est temps, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, de tenir bon et d'être derrière un leader qui milite pour vos intérêts. À cette heure l'ère du Verseau. Alors là, en tout cas, ne perdons pas la face, ne cherchez pas à embrasser n'importe quel leader. Il faut embrasser un leader qui dit la vérité, un leader qui défend vos intérêts, un leader qui parle de la terre, un leader qui a un esprit patriotique et nationaliste pur et dur. Et au Congo, nous avons qu'un seul,
un seul leader, je vous dis, unique, c'est Nemandassé, mais il n'y a pas un autre. Donc, il mène un combat spirituel, un combat politique, un combat scientifique, mes chers frères et sœurs. Alors, si nous voulons donc nous libérer de ces mal causés par ces criminels et terroristes qui se disent les mondialistes, alors donc, nous devons que tout simplement embrasser un seul leader au nom de Nemandassé. Et nous devons tout simplement embrasser qu'un seul parti politique, Bounou Diamaya. C'est pour cette raison, mes chers frères et chers compatriotes, je vous ai toujours dit, lorsque vous entendez les médias occidentaux vilipendent un leader africain, dénigre un parti politique africain, mes chers frères, sachez-le que c'est un bon leader pour vous, c'est un bon parti politique pour vous. Mais lorsque vous entendez les médias occidentaux essaient de donner l'éloge d'un leader africain, d'un parti politique africain, oh, mes chers frères, ça c'est vraiment de la bêtise, de l'imbécialité, mes chers frères et sœurs, il ne faut pas aller adhérer. Donc, à l'heure actuelle, mes chers frères, à l'heure actuelle où la République démocratique du Congo, la République fédérale du Congo est devant un problème sérieux, celui-là d'arracher notre terre. Alors donc, nous n'avons pas d'autre choix que d'embrasser un bon parti politique qui défend cette terre de nos ancêtres. Et ce parti politique qui défend la terre de nos ancêtres, c'est Bounou Diamaya. Adhérez-vous massivement à Bounou Diamaya pour faire la résistance. Vous pouvez poser la question, mais Bounou Diamaya ne fait rien. Il est miwé. Il est avec le gouvernement actuel en République démocratique du Congo. Mais mes chers frères, je sais, il faut approcher un diable pour que vous puissiez connaître son point faible. Enfin que vous puissiez, n'est-ce pas, l'arracher le votre bistec qu'il a volé. Ça, en tout cas, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Parce que Bounou Diamaya a une idéologie. Son idéologie est différente, n'est-ce pas, de l'idéologie de l'IDPS, est différente de l'idéologie, n'est-ce pas, de MNC, il est différent de l'idéologie des partis inféodés comme PPRD, un parti politique d'occupation. Chers frères. Et Bounou Diamaya a une véritable idéologie. L'idéologie de Bounou Diamaya, vous le savez très bien. Science, conscience et la volonté politique. La science, conscience et la volonté politique, ça se divise de Bounou Diamaya. Et l'idéologie de Bounou Diamaya, vous le savez, l'idéologie de Bounou Diamaya, c'est... Donc, c'est un parti politique panafricaniste. C'est un parti panafricaniste, vraiment. Voilà. Excusez-moi aujourd'hui, je vous m'adresser à vous en français parce que je n'ai pas de mon habitude de parler en français parce que c'est une langue de la colonisation, bien sûr, mais je préfère aujourd'hui de m'adresser à vous en français afin que certaines couches de la population africaine et congolaise puissent suivre ce que je vais dire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis en train, n'est-ce pas, vous dire la vérité, rien que la vérité. Moi, je suis de Mongala. Si je voudrais m'adhérer dans un parti politique, je voudrais nécessairement m'adhérer, n'est-ce pas, à MLC et M. Bemba. Mais tant que panafricain, je ne peux pas m'adhérer dans ce parti politique parce que c'est un parti politique inféodé, c'est un parti politique acquis au sort de, n'est-ce pas, de l'étranger, c'est un parti politique qui a la connotation, n'est-ce pas, de la langue étrangère, mes chers frères et sœurs. Donc nous devons nécessairement, en tant que panafricains, adhérer dans un parti politique qui a, n'est-ce pas, donc le nom
de certaines de nos langues. Bundu dia Mayala, c'est ton Kikongo. Bundu, Bundes, Mayal, Bundu, c'est l'ensemble. Mayal, la politique. Ensemble. Ensemble, Bundes. Mayala, c'est la politique. Voilà la politique de demain pour les Africains. Si nous ne faisons pas ça, alors nous ne pouvons pas défendre nos terres. Alors, mes chers frères, mes soeurs, chers compatriotes, l'air est tellement grave. Vous voyez, ils ont inventé certaines maladies. Ils ont inventé certains systèmes de confinement mondial. C'est pourquoi? C'est pour terroriser le peuple de la planète. Chacun doit faire la résistance. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez très bien que la peur a été toujours une mauvaise conseillère, n'ose pas, du peuple de ce monde. Nous devons nécessairement, mes chers frères et sœurs, dépasser la peur. Nous devons dépasser la peur. Parce que la peur ne résout jamais un problème. La peur, vous ne pouvez pas défendre votre terre. La peur. Et certaines organisations religieuses pratiquent la peur en utilisant, n'est-ce pas, certains versets bibliques de leurs livres qu'on appelle la Bible pour faire peur à nos frères et sœurs pour ne pas défendre, n'est-ce pas, leurs propres intérêts, défendre leurs propres devoirs, leurs propres droits. Mais c'est vrai, il faut faire attention. Parce que lorsque vous entendez certains prêtres disent que non, il y a un peu de temps, tout va rester ici. Alors nous tous, nous irons, n'est-ce pas, au ciel. C'est pour cette raison, vous voyez que nos frères ont peur de défendre leurs droits. On perd. Et lorsqu'ils voient certains leaders politiques défendre leurs droits, ils ont peur d'embrasser ces leaders-là. Mais je vous exhorte, mes chers frères et sœurs, n'ayez pas peur, n'est-ce pas, d'être à côté du grand maître Nemanda Nsémé. Parce qu'il est le seul qui n'a pas peur, il est le seul qui défend la terre de nos ancêtres, il est le seul qui se bat pour nos intérêts. Il se bat pour nos intérêts. Alors nous devons embrasser l'idée politique qui se bat pour nos intérêts. Nous devons le défendre. Nous devons le défendre. Il y a certaines personnes qui me qualifient même d'un fanatique, hein, d'un fondamentaliste, hein, d'un beaucoup de qualifications, vous savez très bien, mes chers frères et sœurs. J'utilise même Ringa là-dessus parce que c'est une habitude. C'est une habitude. Alors donc, moi, je ne peux pas me fatiguer pour dire à mes frères et sœurs la vérité, pour leur montrer le bon chemin. Le vrai chemin. Le vrai chemin n'est pas à l'IDPS. Le vrai chemin n'est pas, n'est-ce pas, à l'IMNC. Le vrai chemin n'est pas à PPRD. Le vrai chemin n'est pas à tous ces partis politiques que vous connaissez. Mais moi, je vous montre au moins le vrai chemin. Le vrai chemin pour la libération de notre pays, pour la conquête, n'est-ce pas, de notre pays. C'est Bundu dia Mayala. Et le leader de Bundu dia Mayala, c'est Nemanda Nsémé. S'il est temps, ne dormez pas, mes chers frères. Car l'air est très grave. L'air est très grave. À l'heure actuelle de cette mondialisation sauvage, si vous n'avez pas un leader très fort spirituellement, alors donc, vous ne pouvez rien faire. Si vous vous souvenez de leaders-là, corrompus, qui sont en train tout simplement, n'est-ce pas, de vous endormir avec les morceaux bibliques. Et lorsque vous entendez un leader politique qui vous parle, n'est-ce pas, des versets bibliques, dites que, mais écoutez, ça c'est un leader politique qui n'a pas le sens d'être, qui n'a pas le bon sens. Un vrai leader politique qui a le bon sens, un panafricain, hein, un panafricaniste, on peut dire. Hein? Donc c'est celui qui fait allusion, qui
qui parle, n'est-ce pas, des proverbes, n'est-ce pas, de nos ancêtres, le proverbe, n'est-ce pas, de nos langues. Voilà, voilà, c'est celui-là qui est donc à côté de nos aïeux, de nos ancêtres. Et celui-là va mener un bon combat pour la libération de notre République. Alors, mes chers frères et sœurs, l'heure est très grave parce que ces gens ici sont déterminés à détruire l'humanité. Alors donc, nous ne pouvons pas avoir peur pour ne pas résister contre cet esprit sauvage, cet esprit d'arrogance, cet esprit démoniaque. Nous devons le combattre afin que nous puissions donc libérer notre terre, la terre de nos ancêtres. Alors, c'est pour cette raison que je vous exhorte de vous adhérer massivement donc à Bundu Diamayala. Adhérez-vous massivement à Bundu Diamayala. Adhérez-vous pour faire la résistance. Adhérez-vous. Suivez les grands maîtres de Mandan Semi qui donnent, n'est-ce pas, la bonne politique, qui enseigne la bonne politique. Suivez les grands maîtres de Mandan Semi et adhérez-vous massivement dans son parti politique Bundu Diamayala. Ne suivez pas les partis politiques inféodés. Tous ces partis politiques qui ont la connotation de la langue étrangère, ce sont les partis politiques inféodés qui sont acquis à la cause des étrangers. Ne suivez pas tous ces partis politiques. Suivez les partis politiques qui parlent de notre terre. Et au Congo, il n'y a qu'un seul parti politique qui parle de nous, de la terre. C'est Bundu Diamayala. Il n'y a pas un autre parti politique. Est-ce qu'avez-vous entendu IDP se parler de la terre, MNC parler de la terre, le PPR de parler de la terre? Ils voient que de l'argent. Comment piller, comment voler, comment détruire, comment collaborer avec les étrangers pour détruire le pays. Et ils sont en train de faire, ils sont en train de réussir aux yeux aussi de la population de l'Union des Timati, de la République fédérale du Congo. Mes frères, nos ancêtres ne nous pardonneront pas. Lorsque nous ne pouvons pas nous mettre debout pour dénoncer cet état de choses, lorsque nous ne pouvons pas nous mettre debout pour embrasser un vrai leader charismatique qui parle de la terre, qui défend la terre, qui défend la terre, hein? Qui défend la terre? Alors donc, vous savez très bien, le Seigneur à Congo, envoyez personne pour qu'il puisse, n'est-ce pas, parler au nom de la population. Une seule personne. Parce que Dieu ne peut pas envoyer plusieurs personnes à la fois. Il envoie une seule personne et cette personne donne les idées. Et ces idées, la population embrasse ces idées et à ce moment-là, la population se met debout pour pouvoir, n'est-ce pas, appliquer cette idée, ces idées-là pour défendre le pays, pour construire le pays, pour diriger le pays. Donc c'est comme ça, mes chers frères. Il ne faut pas vous poser la question, ah pourquoi pas moi, moi c'est moi qui devrais faire ça. Ah pourquoi lui? Mais c'est comme ça. Ah mais pourquoi cette tribu-là? Ah mais pourquoi ces gens-là? Pourquoi pas nous? Non, il ne faut pas poser cette question. Allez tout simplement épouser cette source de la connaissance et vous allez donc amener ça dans votre coin afin que cette connaissance puisse rayonner dans votre coin. Il ne faut pas attendre que Dieu va envoyer encore une autre personne dans tous les coins pour parler de la même chose. Non, Dieu envoie une personne et cette personne donne les idées que Dieu lui a donné pour nous donner. Alors, nous devons tout simplement embrasser, prendre ces idées-là et rayonner dans tous les coins de la République fédérale du Congo. Donc, pour le moment, l'heure du verso, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, nous avons qu'une seule personne que Dieu a envoyée pour donner les idées, pour nous donner les idées. Et cette personne, c'est Mandan Semi, mais il n'y a pas une autre personne. Vous suivez les gens comme les Koussou.
Il parle de quoi? Il fait son argent, tout simplement. Vous sauvez les autres, hein, que vous connaissez très bien. Vous perdez seulement le temps. Vous perdez le temps. Donc, l'air est tellement grave, nous ne pouvons plus perdre le temps. Et nous ne pouvons plus nous taire. Et nous ne pouvons plus, donc, regarder d'une manière inerte. Nous devons agir. Nous devons agir. Mes chers frères et sœurs, nous devons agir. Donc, pour agir, nous devons nous mettre ensemble. Et pas dans n'importe quel mouvement. Pas dans n'importe quel mouvement. On ne se met pas ensemble dans n'importe quel mouvement. On se met ensemble dans un mouvement qui a une vision. Et le mouvement qui a une vision en République fédérale du Congo, c'est Boundou Diamaya. Et la personne qui dirige Boundou Diamaya, c'est Nomanda Sembi, qui a une vision globale pour la République fédérale du Congo. Nous devons nous mettre ensemble avec lui, afin que nous puissions puiser cette connaissance qui est en lui, afin que nous puissions donc construire ensemble notre beau pays que nos ancêtres nous ont légués, mes chers frères et sœurs. Voilà. C'est ici que, voilà, j'arrive à la fin de cette séquence que je vous ai proposée. Donc voilà, tout le monde doit nécessairement se mettre au travail. Nous devons tous nous mettre au travail parce que si nous ne travaillons pas, le pays ne va pas avancer. Donc, nous ne pouvons pas laisser les pillards, ces criminels, ces terroristes en République démocratique du Congo, donc détruire notre nation, détruire la terre de nos ancêtres. Voilà, mes chers frères, chers sœurs, chers compatriotes, nous voir à la prochaine. Donc, le prochain numéro, ce sera peut-être demain. Nous allons toujours continuer à mobiliser et à sensibiliser tout le monde. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup. Que le Yaya di moneke netelema ku Kongo wakula banzenza ingeta Ne fani kanza ici ni ku kaselo Kongo ngeto tu la vie Ne fani banzenza weti yo yala Kongo ngeto tu la vie Ne fani kanza ici ni ku kaselo Bambute ba yaya Luisa to asikama to abaka kongo dieto dia futu ka kongo ne makina ngolo simbi kukanyalu kongo dieto tulandele tanya kakito di sezando kongo dieto tulandele ne makina ngolo simbi kukanyalu kongo dieto
Edina beto babonso no to sala sana muzona mungangu yemulendo le kya kwanza disini kuna tatu di kwanza tatu fumu kya kulunga le kya kwanza disini kuna tatu Simbi kukamalu toti bokila Simbi kia kinya Luyalu luanzenza bika bia katuka Idina bankuluba mwela kongo Luyika mamu beto Disimbi kia ntete kia zone Kia ntate kia nya Nalunga na mubeto Nega kabuka simbi kukamalu Kongo yeto tulombele Marquesa Mamon Solo Luisa.
Matondo kwa bakuli bakuli na kumbu Ingeta ipopo ipopo Ingeta Mutangia mama kanda Futu lava penda kumbu mchila kumbu Verela, verela Bambuta baboso no lisa Tua kembide na mfumu kimbangu Mbuta tomina kuzikwa na mfumu kimbangu Mbuta pululu, mbuta lendo, mbuta kasa masunda, mbuta mpembili, mbuta lusiadiso, mbuta benazulu, mbuta ilunga, mbuta mfumweto. Luisa babosono. Minkunga kwa zikwa ya mfumu kimbangu ku London Bika lusaku munu wabatata bambungu tulendo Nwasiki la mungeye Ingeta, ipopo, ipopo